C'est parti. Alors on a un quart d'heure de retard qu'on n'arrivera jamais à rattraper, mais on essaiera au moins de ne pas l'augmenter ce retard. Ça va être ça. Bonjour, bienvenue pour ceux qui arrivent dans cette salle, et j'en vois certains qui étaient déjà à la réunion précédente. Bienvenue dans cette chambre de commerce. Aujourd'hui, on va parler de Dubaï. Donc j'accueille aujourd'hui monsieur le vice-président de la métropole de Lyon, délégué aux relations internationales et à l'attractivité, monsieur Alain Galliano. Bonjour cher Alain. Bonjour. Monsieur le directeur du bureau Business France Proche et Moyen-Orient basé à Dubaï, François Sporer. Bonjour François. Deux témoignages d'entreprise aujourd'hui, monsieur Christophe Marty de la société Ingélux et monsieur Pierre-Philippe Garde de la société Cobalt, qui nous parleront de leur expérience aux Émirats. Eh bien, mesdames et messieurs les représentants d'entreprise, bonjour, bienvenue ici. Au nom du président de la Chambre de commerce, Emmanuel Imberton, je suis ravi de vous accueillir dans cette chambre, qui est, comme vous le savez, la porte d'entrée à l'international et qui vous accompagne tout au long de vos démarches, que vous soyez primo-exportateur ou exportateur confirmé au bout d'un certain temps. Vous pouvez presque vous passer de la chambre de commerce, parce qu'il reste de toute façon un certain nombre de formalités qui passent par chez nous. Donc là, l'offre, la palette de l'offre de la chambre est très large. Et même si on a voulu nous tuer, nous ne sommes pas morts, nous sommes encore à votre service. Je vous précise que tout l'atelier va être filmé et sera accessible sur Internet. Donc si vous avez raté et vous avez eu un petit coup de somnolence sur une partie de la conférence, vous pouvez vous rattraper en allant sur le site de la chambre pour revoir ce que vous auriez raté ou ce qui vous aura tellement plu que vous avez envie de le revoir. Alors on va parler de Dubaï ici. Dubaï, c'est évidemment avec une notion porte d'entrée sur les Émirats, hein, tout le monde le sait, et ceux qui ne savent pas le sauront vraiment en sortant d'ici. Plus largement, la Chambre a tissé des relations depuis assez longtemps avec cette zone-là. Je dirais que Lyon particulièrement, la Chambre de Lyon fait partie de cet écosystème orienté à l'international avec l'ex-Grand Lyon, donc la métro, avec la région et avec un certain nombre d'acteurs. Il y a eu un projet même. Donc Dubaï City qui n'a pas vu le jour, mais les relations sont très fortes, et puis je laisserai le soin tout à l'heure à Alain de vous en dire plus sur le sujet, parce que c'est vraiment d'actualité, il faut en parler. Il y a un contexte favorable aux relations d'affaires, il y a même sur 2015 beaucoup d'initiatives qui sont prises pour accompagner les entreprises de façon d'ailleurs bilatérale pour développer le business, pour développer les implantations. Si je devais vous citer quelques dates très rapidement pour ne pas vous prendre la tête, il y a beaucoup d'animations cette année, beaucoup de dates importantes. Le 11 mars dernier, il y a une réunion d'information à la Chambre sur la zone franche de Jebel Ali. Du 20 au 23 avril, il y a une mission de prospection coordonnée par votre CCI de Lyon sur le salon Vetex, eau et électricité. Il y a une rencontre avec DEWA, l'organisateur de l'exposition universelle de Dubaï 2020, en collaboration avec les équipes de Business France. En mai ou juin, pour la première fois délocalisé à Lyon, le dialogue stratégique France-Émirats aura lieu. C'est une rencontre au sommet entre le gouvernement français et celui des Émirats. Le 10 juin, il y a une conférence dîner organisée par le Progrès en partenariat avec la CCI de Lyon, la métropole de Lyon, le MEDEF, la CGPME, Emirates et les opportunités d'affaires à Dubaï, sur les opportunités d'affaires. En octobre, il y a encore une mission French Tech sur le salon JTEX. En novembre, il y a le salon Big Five. Vous voyez les occasions de se déplacer là-bas avec Emirates. On dit merci. Avec Emirates, ne manque pas. Il y a beaucoup d'échanges à la fois culturels, politiques, économiques. Donc si avec ça pour vous tenter, ben c'est déjà ça. Nous, à la Chambre de commerce, on se mobilise beaucoup pour améliorer encore ces relations. Notre engagement au niveau de notre aéroport que nous portons à hauteur de 25%. La Chambre de commerce est propriétaire de 25% de l'aéroport de Lyon.
cet aéroport a besoin de s'ouvrir, a besoin de se développer. Il ne représente pas la puissance de la région en termes de positionnement de cet aéroport. Et puisque nous parlons de Dubaï, nous parlons de la liaison Lyon-Dubaï directe avec Emirates, eh bien, je vous engage à aller sur le site de la Chambre pour mettre votre avis sur la pétition que nous avons lancée pour améliorer, augmenter le nombre de, comment on appelle ça, de rotations, de fréquences, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes qu'à 5 jours sur 7 avec des vols qui ont un taux de remplissage relativement exceptionnel. Et il y a un cargo aussi en direct, donc il y a un développement qui est fort. J'entendais l'autre jour des commerçants, à la chambre de commerce, on a aussi des commerçants, pas que des industries, des commerçants dire qu'un samedi, ils avaient fait leur chiffre d'affaires exclusivement avec des étrangers qui étaient arrivés par Emirates, qui étaient arrivés en vol direct. Alors, il y avait des Chinois, il y avait des Emiratis qui étaient arrivés par le vol Emirates. Donc pour le développement de Lyon, cette ligne, puisque Air France nous abandonne progressivement pour devenir Air Paris, je reprends les propos de mon président, je suis un peu polémique, mais c'est une ligne qui est importante pour le développement de notre région et de nos échanges. Voilà, ça c'était le petit quart d'heure politique par rapport à ça, mais il est important de le dire que nous œuvrons pour le développement. Aujourd'hui, nous parlons de Dubaï, mais nous parlons aussi des liaisons directes possibles entre Lyon et d'autres continents pour améliorer tout ceci. Donc là, je parle au nom de la Chambre, mais de la CGPME, du MEDEF, du Club des entrepreneurs des aéroports, les CCI Rhône-Alpes. Tout le monde porte ce projet d'améliorer encore les échanges possibles et presque la continuité territoriale. C'est important, vous le savez, quand on exporte, de pouvoir économiser du temps et de la fatigue sur les voyages qui sont toujours à la fois chronophages et fatigants dans nos échanges. Voilà, donc on a aujourd'hui déjà plus de 3000 signatures. Je vous engage, si vous le voulez bien, à aller porter la vôtre pour nous donner un peu plus de poids. Voilà, je remercie tous les intervenants de leur future présentation. Je passe la parole tout de suite à Alain Galliano qui va nous parler de l'actualité sur ce sujet et ensuite nous entendrons Business France. Merci Philippe. Comme le président vient de le rappeler, les Émirats Arabes Unis, vous le savez, sont devenus une destination privilégiée dans le concert des partenariats internationaux que nous avons noués, ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole, qui était avant le 1er janvier le Grand Lyon. Ce qui est intéressant, c'est que cette relation a été vraiment construite sur le long terme. Elle commence à porter ses fruits, notamment avec une implication croissante de tous les acteurs majeurs de nos territoires respectifs, que ce soit les domaines culturels, les domaines académiques et bien sûr surtout les domaines aussi économiques. Remonte 2006. 2006, on a eu un accord de coopération avec la ville de Dubaï avec l'objectif de favoriser les échanges entre nos deux collectivités dans des domaines tels que la mobilité urbaine, l'éclairage public, les services à la personne ou encore les smart cities, car comme vous le savez, la métropole de Lyon est la première ville de France qu'on appelle la ville intelligente, les smart grids, les smart cities. Au-delà de ces échanges institutionnels, ce partenariat était la base de l'extension des échanges à d'autres secteurs, avec notamment la signature de partenariats. Plusieurs partenariats ont été signés. Ça a été évoqué entre la Chambre de commerce de Lyon et Dubaï en 2008, entre l'Olympique lyonnais et l'un des principaux clubs de Dubaï qui s'appelle le club Al-Shabab Al-Arabi, donc dans le domaine du sport, et, je vous dis, l'Académie. On est content d'avoir le directeur général adjoint ici de l'EM Lyon, entre l'EM Lyon, l'Université de Lyon et l'Université canadienne de Dubaï. Donc vous voyez plusieurs types d'accords. Et puis ça a été évoqué, bien évidemment, le phénomène, l'accélérateur de cette coopération bilatérale a été la liaison aérienne directe, bien évidemment, Lyon-Dubaï, qui est un atout majeur et qui est un facteur d'augmentation du développement de nos flux économiques. Les liens entre Lyon et les Émirats Arabes Unis sont donc anciens, avec Dubaï, plus récent avec Abu Dhabi, avec les rencontres entre le président du Grand Lyon et les dirigeants des fonds souverains que sont Adia et Mubadala en mars 2013,
et l'accueil à Lyon d'une délégation conduite par le chairman du Abu Dhabi Department of Economic Development en présence des hauts représentants du gouvernement, d'hommes d'affaires et d'investisseurs d'Abu Dhabi en mai 2013. Vous voyez, jonction parfaite entre le privé, le public, les institutionnels. Le prochain dialogue stratégique franco-émirien se trouvera à Lyon fin mai, je crois même qu'on a les dates, on vient de me dire si je ne me trompe pas, 26-27 mai, si la fouille j'ai la barre est bonne. Ce qui est un résultat concret, bien sûr, des liens forts qui existent Lyon avec les Émirats Arabes Unis. Alors, plusieurs missions collectives, et vous verrez, je terminerai par ça, plusieurs missions collectives conduites par Grand Lyon avec la CCI Lyon, donc comme on marche la main dans la main, une grande bannière, vous connaissez, qui fait l'admiration pas seulement des villes françaises, mais aussi l'admiration des villes étrangères. Je parlais, on a demandé de faire le rallye à Montréal, on a parlé à Boston. Comment faites-vous pour mettre tout le monde d'accord derrière une grande bannière qui est Only Lyon? Et tout, les milieux politiques, institutionnels, les chefs d'entreprise, les académiciens, le sport, tout le monde est derrière cette bannière Only Lyon avec la grande innovation qui vient d'arriver, c'est qu'aujourd'hui, Saint-Étienne a décidé et accepté de rentrer sous cette bannière en Lyon, qui est quand même un grand plus, et surtout qui élargit le pôle qui élargit la métropole pour vraiment faire un pôle métropolitain. Mais vous êtes d'accord avec moi, quand vous êtes à Abu Dhabi, Shanghai ou Pékin, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et autres, c'est la même région. Donc voilà, grande bannière en Lyon, et donc bien sûr la CCI Lyon est un élément extrêmement dynamique. 2006, première délégation multi-acteurs qu'on a conduite ensemble qui s'est rendue à Dubaï pour signer des partenariats. En gros, 40 entreprises, en même chaque fois, quarantaine de PME, donc ça a été évidemment bien. En avril 2008, on a eu une délégation conduite par le sénateur maire de Lyon et le président du Grand Lyon, avec toujours pareil, des institutionnels. Pour ces pays, c'est important d'avoir les deux, c'est le pouvoir politique, j'allais dire, et puis bien sûr le pouvoir des entreprises. Là encore, une quarantaine d'entreprises, plus bien sûr les représentants de l'enseignement supérieur. On a fait pareil, mission Dubaï, mission Abu Dhabi. Plus récemment, mars 2013, encore une délégation conduite par le sénateur Merdillon et le président du Grand Lyon, constituée d'acteurs encore les institutionnels, encore une quarantaine d'entreprises. Et l'enseignement supérieur, de nouveau à Dubaï, à Abu Dhabi. Et plus récemment, et maintenant on va parler de l'avenir, je vais pas passer, mais quand même ça montre que depuis des années, plus de 8 ans, si l'on a des liens étroits, qu'on a tissé, et bien évidemment, ce long terme va se poursuivre, puisqu'il y a un objectif, rappelez-vous, en juillet 2013, Lyon a officiellement apporté son soutien à la candidature de Dubaï pour l'accueil de l'exposition universelle de 2020, par le biais d'une campagne de presse locale et sur l'ensemble du Moyen-Orient. Ce soutien a reçu un écho très favorable de la part des autorités locales et nous permet aujourd'hui de positionner la métropole lyonnaise et ses acteurs majeurs dans cette optique de Dubaï 2020 et, évidemment, je pense aux entreprises, des travaux de réalisation et d'aménagement urbain. Donc, je vous annonce qu'on lance avec la CCI une task qu'on va appeler la Task Force Dubaï 2020, qu'on coordonnera ensemble, Métropole et CCI avec la DERVI, bien évidemment. Et on va regrouper autour de nous, c'est là que je vais faire appel à vous, les pôles de compétitivité, les clusters, les entrepreneurs, et tous ensemble, collectivement, eh bien, on va essayer de profiter au mieux de ces opportunités économiques très très importantes, je vous le promets, comme cette nouvelle expo de Dubaï. Donc, je vous présente Guillaume, si tu veux te lever, ça ne t'ennuie pas, qui est mon dynamique collaborateur pour cette opération, mais d'autres aussi, mais plus particulièrement celle-là. Et pourquoi je vous le présente? Parce que si déjà, n'attendons pas, si déjà certains d'entre vous veulent s'impliquer dans cette réflexion, dans les missions qu'on organisera, puisqu'on va emmener des missions et autres, eh bien, à la suite, à la fin de cette conférence, vous voyez Guillaume, vous donnez votre nom, votre carte de visite, vos coordonnées, et puis on va commencer à mettre ce groupe de travail, et surtout, celles et ceux qui voudront se joindre à la mission, lorsqu'on fera la mission de prospection dans le cadre de la réalisation de ce grand projet, eh bien, vous serez bien sûr les bienvenus avec nous, et je vous en remercie par avance. Philippe, je te repasse la parole.
Bon, tu aurais pu passer la parole à ton collègue. Bah non, c'est toi qui anime. Il n'y a pas de souci. Donc, je lance directement le slideshow. Ouais, je vais bien. En fait, mets-toi à ma place. Donc, on va rentrer dans le concret de ce qui se passe actuellement dans cette zone. Bien, François, on t'écoute sur le sujet. Merci Philippe, bonjour à tous. Donc moi je suis directeur du bureau Business France à Dubaï, en charge directement des Émirats du Koweït et du Qatar, et directeur régional Proche et Moyen-Orient. Je coordonne aussi l'activité que nous portons dans d'autres pays où nous avons du bureau, comme l'Arabie Saoudite, le Liban, l'Égypte, et puis peut-être bientôt, Inch'Allah, l'Iran. Les choses s'améliorent à la fin de la semaine. Je vous fais alors... J'ai rangé quoi, 20 minutes à peu près, c'est ça, je crois, si on veut rattraper un peu le temps. On va faire ça. Donc je vais passer très très vite, je m'en excuse par avance. En revanche, je comprends qu'on a un temps de questions-réponses, donc il ne faudra pas hésiter à revenir dessus. Je vais vous faire un balayage un petit peu macro des Émirats. Pardon, je reviens juste sur le titre. J'ai rencontré déjà beaucoup d'entreprises depuis hier. J'ai mis ce titre volontairement un petit peu provocateur parce que on est sur un pays qui attire beaucoup, et à raison, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut en retenir que c'est pour autant, c'est pas forcément un Eldorado, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir opéré qu'il y avait des opportunités aux Émirats, la terre entière se bouscule là-bas, donc c'est très très concurrentiel. Et vous m'entendrez marteler le message assez souvent. Alors, je vais passer sur le plan. Vous avez une petite carte qui vous montre un petit peu comment les pays du Golfe se situent en termes de poids économique, puisqu'en ordonnée, vous avez la croissance cumulée, non pas en pourcentage, mais en trillions de dollars. Et plus on va vers la droite en abscisse, plus on est dans des pays à grande stabilité politique. Donc tout ça, on voit apparaître ceux qui sont des marchés intéressants, porteurs et stables, qui sont ceux sur lesquels nous travaillons. Je passe vite là-dessus aussi, c'est le poids des économies. On voit qu'on a, on va pas en parler aujourd'hui, un grand pays dans la région, c'est l'Arabie Saoudite, 30 millions d'habitants, 9 millions de barils de jour en production pétrolière. Mais on voit que les Émirats, même s'il n'y a que 1,5 million, 9 millions d'habitants, ne sont pas très loin derrière et ont une économie beaucoup plus diversifiée. Qui dit économie plus diversifiée, dit pour nous beaucoup plus d'opportunités aussi. On peut vendre à peu près tout. Une entreprise qui n'est pas lyonnaise, mais qui n'est pas loin, Savoyarde, avoir vendu des remontées mécaniques à Dubaï. Ça, c'est les pipelines d'investissement. Alors, il ne faut pas le prendre au milliard près, c'est les ordres de grandeur qui comptent. Et c'est encore une fois pour bien distinguer quels sont les deux grands marchés de la région. Le Qatar est très fort pour faire sa pub et sa communication. Et vous voyez qu'en termes de pipeline de projets, malgré la Coupe du Monde, malgré tous les projets, et en soi, qui sont parmi nous au Qatar, je dirais que le Qatar, comme le Koweït, est dans une deuxième catégorie de pays. Les deux premiers pays, en termes de volume d'investissement qui vont être engagés dans les années qui viennent, ce sont les Émirats et l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est des statistiques qui ont été compilées après la crise de 2008-2009. Donc tous les projets un peu farfelus qui existaient notamment à Dubaï ne viennent plus polluer ces statistiques. Un mot rapide sur les présenter les Émirats. Si je devais vraiment faire une caricature, je dirais bon, les Émirats, c'est une fédération de 7 Émirats indépendants depuis 1971. La capitale est à Abu Dhabi, la capitale économique, le business courant est à Dubaï. Mais si on devait simplifier les choses, je dirais il faut se concentrer sur Abu Dhabi Dubaï. À eux deux, ils pèsent pratiquement 90% du PIB des Émirats. Et ce que je vais essayer de vous montrer très rapidement, c'est qu'on est sur deux modèles économiques qui sont complètement différents. Voilà. Abu Dhabi, d'une part, qui est un pays qui s'est développé sur la rente pétrolière, un schéma assez classique mais bien maîtrisé de rente pétrolière. Dubaï, où il n'y avait pas, ou presque pas de pétrole, où on est parti sur un modèle complètement différent, inspiré de Singapour, de plateforme, de hub logistique et de services global. Et puis alors, bon, je ne vais pas faire un jour aux autres Émirats, ils pèsent beaucoup moins. Sharjah est une, je dirais, une banlieue pour les classes moyennes et industrielles de Dubaï. Ras El Khaimah, il y a un peu d'industrie aussi par les zones franches. Fujairah, que vous voyez sur la carte en haut à droite,
pourrait être appelé à jouer un rôle dans l'avenir, parce que, comme vous le voyez, c'est le seul émirat de la fédération qui donne sur le golfe d'Oman, c'est-à-dire directement sur l'océan Indien. C'est-à-dire que si un jour il y a des problèmes dans le détroit d'Izmir, c'est l'endroit où les émirats pourront continuer à communiquer avec le reste du monde. Ils ont déjà tiré un pipeline qui leur permet d'exporter le pétrole directement sur l'océan Indien, ce qui fait économiser quand même au tanker 3 jours de navigation pour entrer dans le golfe. Alors, pays riches, on est pratiquement à 3 millions. Alors, toutes les statistiques que je donne là sur le gaz ou sur le pétrole, vous pouvez vous dire qu'elles concernent en fait non pas les Émirats en tant que tels, mais ça concerne spécifiquement Abu Dhabi, puisque c'est Abu Dhabi qui concentre 95% des réserves de la production et des exportations d'hydrocarbures des Émirats. Et voilà, vous avez un pays qui globalement est la 7e réserve mondiale de pétrole, c'est un exportateur, enfin, je ne vais pas paraphraser, j'avance pour gagner du temps. Un point sur lequel j'insiste aussi, qui est lié à la démographie, on est dans un pays qui est sur un modèle, socio-économique qui est unique au monde, puisque les autochtones, les Émiriens, sont ultra-minoritaires dans leur propre pays. À l'échelon du pays, les Émiriens pèsent à peu près 15% de la population, ce qui n'est déjà pas très élevé. Si on regarde à Dubaï, on est même à 7-8% de la population. Voilà. Et après, c'est le tour de Babel. Après, vous rencontrez vraiment la terre entière. Les premières populations aux Émirats, c'est le sous-continent indien, les Indiens en premier, puis Pakistanais, Bangladesh. Vous avez 140 000 Britanniques. Les Français, aujourd'hui, on est près de 30 000. C'est la troisième communauté française au Moyen-Orient après le Liban et Israël, et qui explose et qui augmente très très vite. Je passe là-dessus, la grosse macro. Ça, c'est juste pour montrer qu'après la bulle de 2008-2009, qui a vu une récession aux Émirats, on est reparti sur un trend de croissance soutenu. Je passe de 2014, on était à 4,5% de croissance. Et sur 2015, on prévoit, pareil, entre 4 et 5% de croissance. Alors, je disais, premier Émirat, le plus important, politiquement, parce que c'est la capitale. L'émir d'Abu Dhabi est dans la constitution émirienne le président des Émirats Arabes Unis, alors que l'émir de Dubaï, dans la constitution, est vice-président et premier ministre de la fédération. Abu Dhabi a longtemps été, jusqu'en 2004, c'est l'année de la mort de Cheikh Zayed, dont vous avez la photo en haut. Pour ceux qui viendront aux Émirats, vous verrez son portrait à peu près partout. C'est le Atatürk des Émiriens, ou le général de Gaulle, selon les références qu'on a. C'est vraiment, et alors je le dis, cela dit, il n'y a aucune moquerie là-dedans, parce que c'est vraiment à lui, et je dirais à sa vision, à sa sagesse, que les Émiriens doivent le développement très contrôlé, très maîtrisé qu'ils ont eu. Le schéma de Cheikh Zayed, c'était de dire, ben voilà, on a la chance d'avoir ce pétrole qu'on va exporter, qui va nous permettre de dégager une manne financière. Cette manne financière, on l'utilise pour faire les investissements qui sont absolument nécessaires, mais pas plus. Et tout le reste, on le place dans un fonds souverain, l'ADIA, qui a été mentionné tout à l'heure. L'ADIA, aujourd'hui, c'est le deuxième fonds souverain de la planète. Derrière les Norvégiens, c'est, selon les estimations, parce que ce n'est pas des gens très communicants là-dessus, entre, on va dire, 700-800 milliards de dollars d'avoir dans le monde. Ils sont beaucoup plus discrets, par exemple, que les Qatariens, et pourtant, ils sont beaucoup plus présents que les Qatariens en France. Il y a 2 ans, alors j'ai oublié le nom de l'avenue, mais il y a un morceau d'avenue à Lyon qui a été racheté par l'ADIA. Donc voilà, jusqu'en 2004, Abu Dhabi offrait le spectacle d'une ville de province assez calme, assez plan-plan, parce que voilà, il n'y avait pas de projet extravagant. On développait ce qui était nécessaire, on manquait de rien, il y avait les hôpitaux, les écoles qui étaient nécessaires, mais pas plus. En 2004, Cheikh Zayed meurt, ses deux fils prennent le relais. Quand je dis ses deux fils, c'est vraiment un binôme, parce qu'il y a Cheikh Khalifa qui est formellement le nouveau président, mais son petit frère, Cheikh Mohamed, qui est également justement le président de Mubadala, l'autre fonds souverain, part sur une stratégie plus volontariste de dire cette rente financière qu'on prépare pour l'avenir n'est pas suffisante, il faut aussi qu'on diversifie l'économie de l'émirat d'Abu Dhabi. Aujourd'hui, Abu Dhabi, l'économie d'Abu Dhabi, c'est 60% des hydrocarbures. L'objectif d'Abu Dhabi, du plan stratégique Abu Dhabi 2030, c'est qu'on tombe à 30% du PIB lié aux hydrocarbures, et le reste, diversification de l'économie, diversification industrielle d'une part, avec l'identification de plusieurs secteurs jugés prioritaires comme l'aéronautique,
les nanotechnologies, les biotechnologies qui ont été développées, les énergies renouvelables. La photo que vous avez en dessous, c'est la centrale de Schatz qui, qui est une JV entre Total, SunPower, les Espagnols de Bengoa et Mubadala. Alors, la division énergie renouvelable de Mubadala qui s'appelle Masdar, dont vous entendrez parfois parler parce qu'ils avaient un projet emblématique qui a été un petit peu revu à la baisse, mais de ville à empreinte je dirais, environnementale faible et autosuffisante. Donc là, Schatz, c'est 100 MW produits à partir de solaire à concentration. Enfin, et puis diversification aussi dans les services, avec la volonté de se développer aussi à côté de Dubaï comme une destination touristique de façon complémentaire à Dubaï. C'est pour ça que ça se veut un tourisme plus élitiste, adossé notamment à une offre muséographique. Le projet le plus connu chez nous étant le Louvre, qui va être le premier musée qui va sortir, enfin qui est en train de sortir de terre d'ailleurs, qui est très avancé, qui devrait être inauguré quelque part au premier semestre 2016. Alors je m'en excuse, on ne voit pas très bien une photo, vous le verrez mieux après, mais la photo du bas, c'est l'île de Saad Yat où il n'y avait rien. Il y a trois ans, c'était du sable et des mangroves, et où là, il y a les premiers hôtels sont apparus, et à terme, voilà, ça sera une ville nouvelle juste à la sortie de avec les trois musées, on aperçoit la coupole du Louvre, et puis à la pointe, là, ça sera le Guggenheim de Guéry. Donc voilà, on est sur Abu Dhabi, développement, encore une fois, maîtrisé et assez classique, conservateur même, on pourrait dire, jusqu'à 2004, et depuis 2004, une accélération et une diversification industrielle et dans les services. Alors je vous ai mis quelques photos pour mesurer un petit peu quand même l'accélération. Le plus intéressant peut-être c'est celle de 1975 en haut à droite. 1975, je dirais, c'est pratiquement hier, et vous voyez que la capitale des Émirats, il n'y avait pas une rue bitumée encore, c'était des chemins de terre, c'était des maisons à maximum un étage, et en bas vous voyez, et encore, vous voyez ce qu'est Abu Dhabi aujourd'hui, ça a déjà beaucoup changé, parce que justement il y a tous ces développements aujourd'hui accélérés, mais qui sont plus sur des zones périphériques d'Abu Dhabi. Dubaï, on est sur un modèle complètement différent. Dubaï, il n'y avait pas de pétrole, ou pratiquement pas. Aujourd'hui, c'est 1 ou 2% du PIB de Dubaï. Il y a des petits gisements, mais c'est vraiment assez peanuts. Dubaï, en revanche, il y avait une tradition commerciale, parce que vous aviez beaucoup de marchands arabes qui étaient sur la côte perse, et qui, sous la pression des Perses, avaient fini par se rapatrier sur Dubaï. Le seul endroit, je trouve, moi, vraiment pittoresque à Dubaï aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le port de la Crique, où vous avez toujours des poutres qui font du commerce de cabotage et qui n'ont pas changé depuis un siècle. Des poutres en bois, les marins vivent à bord, qui sont chargés jusqu'à la gueule de sacs de ciment et de réfrigérateurs. Donc il y avait cette tradition commerçante à Dubaï. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque dans les années 80, Dubaï était un bled. Les deux villes qui se développaient aux Émirats, c'était Abu Dhabi parce qu'il y avait le pouvoir politique et le pétrole. Et il y avait Sharjah à côté, où les premières entreprises étrangères s'implantaient. La première école française a été installée à Sharjah. Et puis au milieu des années 80, il s'est passé deux choses. Il y a Sharjah, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important que dans un pays où les entreprises ne fonctionnent, je dirais, à 95% qu'avec les extraits, Sharjah est brusquement, pour des raisons un peu mystérieuses, devenu ce qu'on appelle un émirat sec. C'est-à-dire, brusquement, l'alcool est devenu interdit à Sharjah. Alors, pour ça que je prends la peine d'assister, ça peut vous sembler anecdotique, mais ça impacte quand même le cadre de vie. Il n'y a pas que l'alcool, il y avait tout. Après, le tenue vestimentaire, il y a une sorte de rigorisme qui a été introduit à Sharjah. C'était le seul émirat dans toute la fédération à prendre cette direction. Ce qui, du coup, rendait Sharjah moins amusant pour des expats pour y vivre, avec leur famille, avec femme et enfants. Et dans le même temps, Dubaï s'est réveillé. Dubaï, l'émir de l'époque, Cheikh Rachid, qui est le père de Cheikh Mohammed, l'émir actuel, a réalisé que s'il ne faisait rien, comme ils n'avaient pas de ressources particulières, s'il ne faisait rien, il resterait éternellement un petit bled entre Sharjah et Abu Dhabi. Et là, il a eu ce que les Émiriens appellent une vision, et ça nous fait un petit peu sourire en France, mais c'est vraiment ça. Il a vraiment eu cette intuition de dire... On va s'inspirer un peu de ce qu'a fait Singapour, et je dirais qu'aujourd'hui le résultat qu'ils ont atteint est encore plus spectaculaire, parce que Singapour était depuis des siècles sur les routes commerciales maritimes, alors que ce qui n'était pas le cas de Dubaï. Dubaï a réussi à s'imposer comme une destination aujourd'hui incontournable, non seulement dans le maritime, mais évidemment aussi dans l'aérien, en bâtissant une stratégie qui a été très pragmatique, très pensée, très coordonnée, très cohérente, en partant de l'essentiel et puis petit à petit en améliorant le modèle. L'essentiel, c'est les infrastructures, avec le port de Jebel Ali. Aujourd'hui, c'est 19 millions de containers équivalents 20 pieds.
Pour vous donner un point de comparaison, le Havre, c'est 4, donc c'est 5 fois le Havre. Le port de Djebali, c'est le seul port non chinois qui apparaît dans le classement des 10 premiers ports mondiaux. Outre sa taille, c'est un port extrêmement moderne, extrêmement bien géré. Donc, d'abord le port, et puis ensuite, ce que j'appellerais le binôme aérien, c'est-à-dire à la fois l'aéroport et la compagnie d'Emirates. Et là encore, on est dans la vision, c'est-à-dire que jusqu'à la création d'Emirates, sous votre contrôle, Dubaï n'avait pas de compagnie. Dubaï s'appuyait, comme les autres pays du Golfe, sur Gulf Air, qui était la compagnie à capitaux mixtes des pays du Golfe. Mais Gulf Air n'assurait pas une desserte suffisante de Dubaï. Et comme dans le modèle économique de Dubaï, dans la stratégie de Dubaï, il fallait être non seulement une destination logistique, une destination de service, mais aussi une destination touristique. Dubaï a fait le pari, fin des années 70, début des années 80, de dire qu'il faut qu'on ait notre propre compagnie. On ne peut pas compter sur Gulf Air, donc on va développer notre propre compagnie. C'est comme ça qu'a été créée Emirates, qui aujourd'hui, bah, vous le savez, est une compagnie qui fait très peur aux compagnies historiques européennes ou nord-américaines, avec un développement qui est vraiment spectaculaire. Pour vous donner juste un chiffre, l'A380 ne se serait pas développé sans Emirates. Emirates est le client référent de l'A380. Emirates a commandé 140 A380. Et on a aujourd'hui, je crois, déjà une bonne quarantaine qui sont en opération. C'est 59. 59. Ouais, je crois qu'on en livre un et demi à deux tous les mois. Donc c'est pour ça que je suis en retard. Pour avoir un point de comparaison là encore, Air France plus Lufthansa plus British Airways, à E3, ils en ont commandé 45. Ce qui donne une idée un petit peu du dynamisme des Emirates et de l'aéroport de Dubaï, qui est devenu en janvier le premier aéroport mondial en trafic international, qui est à l'étroit dans ses infrastructures actuelles. Donc il y a un projet de développement d'un nouvel aéroport Maktoum qui sera en capacité deux fois l'aéroport actuel, puisque le projet, c'est d'arriver dès 2020 à 120 millions de passagers. On parle d'un projet de 30 milliards d'investissement, 30 milliards de dollars d'investissement. La France est très, très vigilante et très en pointe. On a la chance d'avoir un des pays qui est très bien positionné sur le projet. Donc voilà, alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Dubaï, mais en un mot, il faut comprendre, on est dans un émirat extrêmement pragmatique, qui en permanence n'a eu de cesse de vouloir créer une plateforme qui soit business friendly, où les entreprises sont naturellement attirées. Le paradigme de Dubaï, finalement, c'est qu'on crée une infrastructure qui, à un instant T, peut sembler surdimensionnée, trop grande pour l'activité économique, mais en fait, qui du coup attire de nouvelles entreprises, de nouveaux acteurs économiques. Donc, Dubaï a inventé, avant tous les autres, les zones franches, ou a perfectionné le modèle des zones franches. Aujourd'hui, vous en avez... Alors, Dubaï a été critiqué au début par Abu Dhabi, puis aujourd'hui, c'est Abu Dhabi qui s'y met, qui ouvre ses propres zones franches. Puisque vous savez que dans les Émirats, un petit point de réglementation, dans les Émirats, quand une entreprise étrangère veut s'implanter, elle doit avoir un partenaire local, qu'on appelle un sponsor, qui a 51% du capital. Et Dubaï a compris avant tout le monde que c'était un peu un irritant pour une entreprise étrangère. Les juristes des grands groupes étrangers n'ont pas trop donné la majorité à un partenaire local qu'on ne connaît pas bien. Et Dubaï a dit, mais qu'à cela ne tienne, en zone franche, vous pourrez être à 100%. Et alors la première zone franche était celle de Jebel Ali, adossée au port, qui s'est remplie instantanément. Aujourd'hui, vous avez 7000 entreprises à Jebel Ali. Et du coup, ils ont dit, bon, on va faire d'autres zones franches, mais on va améliorer le système. C'est-à-dire qu'on va faire des zones franches thématiques. Donc aujourd'hui, vous avez dans la santé Dubaï Healthcare City. Dans la finance, vous avez Dubaï Financial International City. Dans Internet, vous avez Internet City, vous avez Media Village, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour une boîte, outre les avantages qui vous exonèrent d'avoir un partenaire local, vous arrivez dans des zones franches qui sont devenues des clusters, vous avez tout votre écosystème qui est autour de vous, qui sont des one-stop-shop, c'est-à-dire qu'au lieu de faire toutes les démarches administratives pour avoir les licences, les visas, etc., tout se concentre dans la zone franche, tout est simplifié, tout est facilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 24 zones franches à Dubaï, et que c'est là que souvent se concentrent les entreprises. La seule contrainte de la zone franche, c'est que tant que vous êtes dans zone franche, vous n'êtes pas encore sur le territoire, sur le mainland, territoire émirien, et donc si notamment vous y produisez des biens de consommation ou des biens industriels, il vous faut encore passer par un intermédiaire, un importateur qui aura les licences pour pouvoir les écouler sur le marché émirien. Si vous êtes dans le domaine des services, même si en théorie vous n'êtes pas censé contractualiser avec des clients qui sont sur le mainland, en pratique tout le monde le fait, puisque comme on est dans le dématérialisé, il n'y a pas de contrôle, et par exemple toutes les grandes sociétés de conseil sont soit à Media Village ou Internet City et travaillent avec des clients qui sont en mainland. Je passe sur Dubaï parce que je pourrais être très long. Alors pareil, là vous voyez, on est en 91, donc là c'est vraiment hier. Pour ceux qui connaissent la Sharjah Road, quand on attaque depuis le grand point au niveau du World Trade Center. Alors pour ceux qui sont venus faire des salons à Dubaï, le World Trade Center serait aujourd'hui en bas à gauche sur la photo.
tous les grands immeubles voilà, qui sont là aujourd'hui n'existaient pas en 91. Pour ceux qui sont venus nous voir dans nos locaux à Marina Dubaï, on est nous dans un quartier qui n'existait pas il y a 8 ans. C'est, voilà, c'est ça le rythme de développement de Dubaï. Et il faut reconnaître que de ce point de vue-là, ils ont réussi à développer un modèle économique qui est quasiment unique au monde, même s'ils se sont inspirés de Singapour. Ce qu'ils ont accompli est unique au monde et est une réussite malgré le trou d'air de 2008-2009. L'exposition universelle, alors ça est difficile d'en parler dans le détail. Ce qu'il faut en retenir, Dubaï a été retenu pour l'expo 2020. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on a nous-mêmes un petit peu de mal à bien comprendre qui fait quoi. Les Émiriens, à certains égards, ont les mêmes petits défauts qu'on peut avoir en France. Il y a plusieurs structures qui se répartissent les compétences, les responsabilités sur la préparation. Vous avez aujourd'hui, alors il y a un comité stratégique à très haut niveau qui est présidé par Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, c'est l'oncle de l'émir actuel, c'est le patron d'Emirates, c'est le deuxième homme fort de Dubaï. On peut dire que c'est le bras droit de Cheikh Mohamed, patron d'Emirates, patron de l'aéroport de Dubaï. Donc lui préside le comité stratégique qui veille un petit peu à la coordination de tous les travaux préparatoires à l'Expo universelle. Ensuite, vous avez deux organismes. Vous avez un organisme qui s'appelle Expo 2020, qui lui est vraiment centré, je dirais, sur l'Expo, sur le site de l'Expo, sur l'accueil des futurs exposants, des pavillons nationaux et puis des visiteurs. J'en fais 28 minutes. Donc je vais très vite là-dessus. Alors je répondrai aux questions. Alors, on travaille, nous, avec le comité de l'Expo 2020 et on travaille par ailleurs avec le World Trade Center TTCN qui, eux, sont plutôt en charge de préparer les infrastructures, je dirais, périphériques, c'est-à-dire tout ce qui va devoir être construit autour de l'Expo et puis tout le travail de communication autour de l'Expo pour attirer du monde. Et il y a plusieurs opérations qu'on a mentionnées. On en fait une première qui a été évoquée tout à l'heure dans un mois, du 20 au 23 avril, avec Diwa. Diwa, c'est la régie des eaux d'électricité de Dubaï. C'est un état dans l'état à Dubaï. C'est 5 milliards de dollars d'investissement dans les 10 ans qui viennent. On fait une opération avec eux pour leur présenter justement des PME françaises dans la perspective de l'Expo 2020, parce que c'est Diwa qui va être chargé de développer les infrastructures qui relèvent de ses compétences pour l'Expo, pour leur présenter des boîtes françaises dans le domaine de l'eau, dans le domaine des énergies renouvelables, et puis de tout ce qui est énergie efficiency, smart grid, je dirais efficacité énergétique. On a déjà une bonne dizaine, douzaine de PME qui sont inscrites, plus des grands groupes qui sont sur place. Autre opération que nous ferons, je pense, début 2016 avec le comité d'Expo 2020, c'est plus sur les nouvelles techno. Ils veulent, comme toujours à Dubaï, ils veulent bluffer la planète, ils veulent étonner tout le monde. Donc ils sont à la recherche de nouvelles technologies, à la fois pour eux en tant qu'organisateurs, pour leurs exposants, pour améliorer l'expérience de l'exposant et améliorer l'expérience de visiteurs. Donc ça peut aller aussi bien de la billettique qu'à ensuite des techniques d'imagerie virtuelle, d'imagerie 3D, etc. Donc là, on est en train de faire un balayage des entreprises françaises et des clusters qui auraient des choses à proposer. Et ensuite, en liaison avec Expo 2020, on ira organiser des rencontres à Dubaï avec les décideurs. Donc j'avance très vite. La relation française, du coup, je vais être rapide, mais on peut transposer. Et c'est vrai que Lyon, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, mais c'est vrai que Lyon a une position très forte du fait du lien qui a été tissé entre Lyon et Dubaï. Mais au-delà, au plan bilatéral, on a une relation qui est très forte entre la France et les Émirats, et ça mérite d'être souligné parce que on n'est pas dans une zone d'influence historique française. On est chez les Anglais. C'est un ancien protectorat anglais, la France ne faisait rien dans la région. Et parce que précisément, Cheikh Zayed, à l'indépendance du pays, c'est pour ça que c'est un grand homme pour nous aussi, ne voulait pas se retrouver en tête-à-tête avec les Anglais, il est allé chercher la France comme deuxième partenaire. Alors là, je vous ai mis quelques éléments symboliques et je ne vais pas m'apesantir. Vous avez l'inauguration de la base militaire d'Abu Dhabi avec le président Sarkozy et Cheikh Khalifa. Il y a 800 hommes. C'est la plus grosse base militaire française dans un pays qui ne soit pas une ancienne colonie. C'est la base qu'on utilise en ce moment pour aller frapper Daesh en Irak. L'autre photo au milieu à gauche, c'est la Sorbonne d'Abu Dhabi. Aujourd'hui, vous avez 700 étudiants en année pleine. Et puis la dernière, c'est une vue 3D du Louvre, donc encore une fois, qui sera inaugurée dans un an à peu près à Abu Dhabi. Dans l'économique, qui nous intéresse davantage, c'est un marché fondamental. Alors je suis désolé, on n'avait pas encore les statistiques de 2014. J'ai eu le chiffre depuis, on a exporté 4,1 milliards d'euros
vers les Émirats en 2014. Les Émirats sont notre premier marché au Moyen-Orient, devant l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a tous ces projets, parce qu'il y a ce pouvoir d'achat très élevé, parce qu'il y a toutes ces niches où on peut vendre à peu près de tout, et puis parce qu'il y a ce rôle de plateforme. On sait que pour certains produits, ce qu'on exporte aux Émirats est réexporté vers d'autres pays de la zone. C'est notre 21e marché dans le monde, ce qui est colossal. Si vous imaginez que devant les Émirats, il y a une bonne demi-douzaine et peut-être plus de grands pays de l'Union européenne, plus des grands pays non européens comme États-Unis, Suisse, Canada, Japon, Chine, etc. Donc en fait, les Émirats sont dans le top 5 ou 6 de ce que j'appellerais les grands pays, nos marchés importants non classiques. Enfin, c'est notre deuxième excédent commercial, on parle du temps qui court. Là encore, ça mérite d'être souligné. Et vous voyez qu'on exporte de tout. Dans les biens d'équipement, évidemment, on va trouver nos avions. Les A380, malheureusement, ne rentrent pas là-dedans, parce que comme ils sont filiés à Hambourg, ils rentrent dans les statistiques allemandes d'exportation vers les Émirats. Il y a d'autres avions qui sont là. Mais on exporte aussi de l'agroalimentaire, du luxe, et même tous les ans 100 millions d'euros de vins spiritueux vers les Émirats. Je vais très vite. Là, c'est ce que je viens de vous dire, donc je passe. Présence française. Présence française, on a tous les ans de nouvelles entreprises qui s'installent aux Émirats pour toutes les raisons que je viens de vous donner. De toute façon, ma présentation pourra être diffusée. Hein. L'environnement des affaires, je passe dessus, on en parlera. Il ne faut pas se faire un monde des Émirats. Je disais, au niveau réglementaire, au niveau même culturel, d'abord, vous verrez assez rarement des Émiriens, vous verrez plus souvent des Anglais, des Libanais, des Indiens, des Français, toutes sortes de nationalités. Donc il faut être souple, il faut être réactif, mais il ne faut pas se faire. Il n'y a pas besoin de parler l'arabe, par exemple, pour aller faire du business aux Émirats. Il faut parler l'anglais, en revanche. Business France, je passe dessus, vous connaissez nos métiers. On est présent, je vous le disais, dans l'ensemble de la région. Je ne sais pas pourquoi la Syrie apparaît toujours en vert, parce qu'on n'y fait pas grand-chose en ce moment, malheureusement. En revanche, on est présent dans tous les autres pays, y compris physiquement. Là, l'organigramme, c'est visible, vous l'aurez. Merci. Ouais. Merci François, tu as fini en apnée, mais on va pouvoir donner la parole quand même à nos deux PME. Agelux, éclairagiste lyonnais, donc un bureau d'études. Je vous présente en deux minutes, comme ça on gagne du temps. 700 000 euros de chiffre d'affaires, 10 personnes créées en 2001, donc Christophe Marty. Et puis dans la foulée, vous vous ferez un pif-paf tous les deux. La société Cobalt, de concepteur lumière, c'est comme ça que vous définissez votre entreprise. 450 000 euros, 5 personnes créées en 2000. Donc Jean-Philippe Garde, Christophe Marty, je vous laisse la parole pour vous présenter rapidement votre expérience. Et puis, si vous le voulez bien, on enchaînera tout de suite et vous pourrez tout de suite les questionner ou questionner les autres experts pour gagner du temps. Gardez vos questions pour dans 3, 4, 5 minutes à vous deux. Et ils sont là pour vous parler de leur expérience. Je crois que tout ce qui est vraiment le vécu, les pieds dedans, c'est très intéressant. C'est toujours très intéressant. Ça fait merci beaucoup et merci à François Sparre de la présentation. Alors nous, il y a un an, un petit peu plus d'un an, on avait rencontré François Alloupay directement, on avait eu cette présentation. C'est vrai qu'au début, on est un petit peu dubitatif en se disant il n'y avait rien il y a quelques années, il y a tout maintenant. C'est la réalité, c'est ce qu'on a pu voir. Et je retournerai un petit peu ce qu'a dit François en disant que c'est un Eldorado mais concurrentiel. Je dirais plutôt que c'est très 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 concurrentiel, mais ça reste un Eldorado où il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, en particulier sur notre domaine, je vais vous présenter très rapidement ce que l'on fait. On voit qu'on a des niches, on a des vraies niches à aller vendre et sur lesquelles on peut se différencier. Et du coup, la partie concurrentielle, on sait sans se mettre un tout petit peu à côté de cette partie concurrentielle. François, on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais les concurrents sont surtout des anglo-saxons, les Américains, les Anglais, qui savent faire un petit peu la même chose que nous. Et qui sont beaucoup plus introduits que nous localement, donc on se retrouve très vite en concurrence avec eux. Nous, notre métier, vous voyez les petites images, c'est de faire de l'éclairage. On ne vend pas des produits, par contre, on a du savoir-faire, on fait de la conception, on est comme des architectes et on conçoit. Ça, c'est très important, donc ça veut dire que quand nous, on a un marché, on a des petits marchés, entre guillemets. Par contre, on prescrit énormément de matériel, et donc on draine beaucoup de chiffre d'affaires auprès d'autres entreprises.
Donc on a un grand intérêt dans Lyon, c'est qu'on est un petit peu un fer de lance qui permet de faire rentrer beaucoup d'autres entreprises. À ce titre, moi je suis secrétaire du cluster lumière, et c'est typiquement le positionnement qui dit on fait rentrer d'abord la partie qui intéresse les gens, et puis derrière, toute la chaîne de valeur, que ce soit les luminaires, que ce soit la partie gestion, le personnel, tout ça peut être ensuite drainé par la partie conception lumière. Très rapidement, du coup, ce que l'on sait faire, c'est mettre en lumière des bâtiments, c'est produire des choses qui sont esthétiquement décalées par rapport à ce que les gens ont l'habitude de voir à Dubaï. Dubaï, on peut se dire que tout est déjà fait. Non, question lumière, quand les gens, on leur montre les images de la pyramide du Louvre, ou de choses qui se passent à Lyon, des rues éclairées, il y a un vrai décalage. On va parler juste après, je vais donner la parole à Pierre-Philippe pour parler de Shanghai 2010 que l'on avait faite, donc l'exposition universelle. On a un petit peu le même schéma, on sait faire des choses décalées qui intéressent les gens et sur lesquelles ils se disent « Ah, ça, je ne l'ai pas vu » et il y a une vraie plus-value à apporter cette image de marque qui est un petit peu celle du luxe, la French Touch, pour dire un peu vulgairement. La lumière, ça fait partie complètement de ce domaine un peu luxueux, un petit peu décalé, sur lesquels les gens sont prêts à mettre l'argent, à mettre les moyens pour se le payer et donner une image un petit peu différente du voisin. Et à Dubaï, cette histoire d'être décalé ou se montrer est hyper, hyper présente. Et donc aujourd'hui, on essaie de montrer qu'on est capable de décaler avec des choses plutôt sensibles, esthétiques, voire romantiques. Donc toute l'image d'Angli Lyon qu'on essaie de mettre en avant. Et ça a énormément d'écoute. Juste avant de donner la main, ce qu'il faut souligner, c'est que nous, entreprises privées, on a beaucoup de mal à trouver les bons interlocuteurs qui vont comprendre ce message et qui vont se dire « Ah oui, je trouve une plus-value à faire ce décalage ». Cette discussion, elle a souvent lieu d'abord entre institutionnels, donc Angli Lyon, la CCI internationale, etc., pour pouvoir nous ouvrir des portes et après pouvoir nous expliquer comment on va le faire. Mais on a vraiment besoin d'un support institutionnel, c'est pour ça que Business France, que Angli Lyon sont extrêmement importants. Et puis juste dernière chose, effectivement, la ligne Lyon-Dubaï-Emirates est absolument fondamentale. Et effectivement, il manque quelques lignes, quelques jours. On est souvent décalé dans les rendez-vous là-dessus. Donc voilà, je vais laisser Pierre-Philippe vous expliquer un peu ce qu'on a fait peut-être sur Shanghai, concrètement, pour montrer ce qu'on sait faire. Oui, bonjour à tous. Moi, la petite différence par rapport à Christophe, nous, on est un peu plus dans le domaine artistique, dans le même métier, de la conception lumière. C'est une particularité lyonnaise qui a su s'exporter au fil des années et qui, maintenant, est arrivé à un niveau avec le Festival de Lumière, ce qui permet vraiment d'exporter ce savoir-faire. Nous, on travaille un peu partout en Europe et on a eu la chance de travailler sur l'exposition en 2009-2010 sur Shanghai, ce qui nous a permis de montrer ce savoir-faire, puisqu'il y avait une centaine de projets à l'époque qui ont été nominés et qui ont permis, en fin de compte, de sortir quelques projets pour mettre en scène la zone UBPA, qui était une scène qui permettait de mettre en pratique les nouvelles identités urbaines. Donc déjà, on était très, très en avance sur cette approche du Smart Grid, puisqu'on avait essayé de composer autant l'événementiel que le pérenne. Et là, ça a été vraiment une très, très belle approche. Voilà, donc pour parler rapidement de notre expérience de Dubaï, j'aime bien ce terme et on en a discuté avec François, il faut chasser en meute, clairement. Si vous y allez tout seul, je pense que vous aurez beaucoup de mal, c'est très complexe. Il faut connaître vraiment ce marché-là, il est vraiment passionnant, mais comme François le disait très bien, il y a des gens qui sont là depuis quelques années et qui sont très très en place et qu'il faut essayer de déloger sur des marchés, sur un marché très très concurrentiel. Et aussi un scénario, c'est qu'il faut être très présent. Clairement, si vous y allez un mois et après vous y allez six mois après, bon bah terminé quoi, c'est pas la peine. Donc nous on a essayé d'avoir à peu près un timing de un mois et demi, deux mois. En rotation, il se trouve qu'on a la chance à Lyon d'avoir une ligne directe, donc ça, il faut s'en servir. Mais voilà, donc je vais essayer de passer aussi sur ce qu'on a perdu un peu. Mais bon, il fallait tout ce temps pour avoir une question-réponse. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, la parole est à la salle maintenant. Donc,
N'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment. Vous avez de l'expérience en face de vous. Oui, allez-y. Bonjour. Appuyez sur le petit bouton rouge. Être. Oui, bonjour. Ma question, c'est pour les sociétés Angelux et Cobalt. Je voulais savoir, est-ce que malgré votre taille, est-ce que votre taille n'a pas été trop handicapante sur des projets, etc. Je connais moins Dubaï, j'ai prospecté quelques mois là-bas, j'ai vécu là-bas quelques mois. C'est vrai qu'ils aiment bien le plus-plus, les superlatifs. Donc, est-ce que votre taille n'est pas trop handicapante? Et ma deuxième question, c'est le laps de temps qui s'est passé entre votre début de travail de prospection et au moment le décrochage d'un premier contrat, on vous a fait confiance, quoi. Oui, alors vous avez raison tout à fait. C'est pour ça qu'on est deux sociétés à se présenter. C'est pour ça qu'on était deux à travailler sur l'exposition Shanghai 2010. C'est qu'il y a une taille critique pour pouvoir gérer des gros projets comme cela. Moi, j'ai une société de 10 personnes, Pierre-Philippe 5. Ça peut paraître petit. Pour des éclairagistes, c'est très gros, en fait. La moyenne, pour les architectes en France, ce sont des sociétés de 3 personnes, en général, pour les architectes. Après, pour les très gros projets, effectivement, il y a des très grosses agences. Donc oui, il y a une question de taille critique. Après, il y a surtout une question de référence. C'est-à-dire que quand on se présente aux gens, ils voient d'une part la capacité en taille et ils voient la capacité à avoir fait des projets. Donc la référence de Shanghai 2010, pour nous sert énormément pour pouvoir dire, vous voyez, on sait parler anglais, on sait faire des projets à l'étranger, on sait culturellement se sortir un petit peu de nos habitudes, et ça suffit, entre guillemets, à répondre à cette question-là, parce qu'on a prouvé qu'on savait faire. Maintenant, oui, il y a une question de taille critique, mais dans le domaine de niche sur lequel nous, on travaille, on n'a pas vraiment de concurrent à 100 personnes. Après la question du timing, très clairement, moi j'ai envie de vous dire, moi je travaille sur le Louvre à Abu Dhabi dont a parlé Françoise Porat, je suis assistant du maître d'ouvrage avec les ateliers Jean Nouvel, etc. Donc on partait pas de zéro sur place. Dans le timing, les contacts qui ont pu être établis grâce à Business France, on a pu avoir des premiers devis à établir, j'ai envie de dire au bout de 6 mois de pré-contact. Et c'est là où nous, on s'est rendu compte que dans le positionnement qu'on avait initialement essayé de choisir, qui était un petit peu trop bas, j'ai envie de dire, qui n'était pas assez haut de gamme, on a dû se battre avec de la concurrence anglo-saxonne et donc nos premiers devis au bout de 6 mois n'ont pas forcément abouti. Donc on a réorienté en se disant, maintenant il faut vraiment aller connaître les gens qui sont beaucoup plus haut dans la hiérarchie et beaucoup plus impliqués dans les images de marque. Et ça, c'est en cours, j'ai envie de dire. On a déjà quelques réalisations, mais c'est en cours. Pour être encore, comme je vous ai dit, il faut chasser en montre. Nous, ce n'est pas que nos sociétés. Derrière, on a monté en 2009 un cluster. Et je pense que le rôle des clusters sont très, très importants. Alors, il y en a un peu dans tout business. Le cluster Lumière, il a été fait pour ça. Donc, derrière, on draine maximum de sociétés dans une particularité. Le cluster regroupe à peu près vraiment une diversité dans ce domaine-là. Donc quand on va attaquer un marché, on ne l'attaque pas seul. On l'attaque vraiment en groupe, et ce qui nous permet en fin de compte d'avancer sur ce type de sujet. Vous avez raison, nos petites sociétés, elles ne feront rien du tout si on n'est pas accompagné. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je reviendrai sur ce point de chasser en meute en conclusion. Très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais savoir, en fait, l'année passée, la fête des Lumières a été déclinée sur Dubaï. Je voulais savoir si vous aviez travaillé sur le projet et si c'est un projet qui allait être amené à être prolongé sur les années futures ou non. Alors, je veux dire, oui, la question elle s'adresse à nous, et en même temps, je veux dire que la fête des Lumières, ça a été surtout un projet politique. Non, on n'a pas travaillé sur la fête des Lumières. Maintenant, ça a été une image de marque, quelque chose qui a été vendu de la métropole, la ville de Lyon, parce que la fête des Lumières a surtout quelque chose de lyonnais. On sait que ça a permis de faire connaître cette partie lumière, et en même temps la fête des lumières c'est quelque chose d'événementiel, de non pérenne. Nous on appelle ça non pérenne, donc on est un tout petit peu sur un domaine nous qui est plus l'éclairage mis en valeur un peu plus à long terme. La fête des lumières c'est un peu une image qu'on peut utiliser. Mais cette partie, tout le monde est au courant qu'il y a eu effectivement cette exportation. Ça prouve qu'il y a un vrai intérêt, un vrai appel sur le sujet de la lumière. Nous, on n'y a pas participé, mais j'ai presque envie de renvoyer la balle auprès des politiques pour qu'ils vous en parlent plus que moi. Ça, c'est fait. Une question là-bas, très bien, deux questions encore.
Oui, bonjour à tous, je suis Nicolas Savourny, donc avocat à Lyon et à Dubaï. Mon cœur de métier, c'est évidemment le droit, mais le droit. Et c'est plus une remarque que je vais faire qu'une question. Vous avez évoqué tout à l'heure, en tant que Business France, l'aspect réglementaire un peu brièvement. Pour moi, c'est pas si bref que ça. Il y a beaucoup d'opportunités à faire aux Émirats. La question qui se pose, c'est de savoir comment on ficelle le montage juridique. Et ce que je veux dire de manière sous-jacente, c'est que toutes les entreprises de toutes les tailles ont leur chance aux Émirats. Donc la question qui se posait tout à l'heure, c'était de savoir est-ce qu'il y a un seuil critique. Moi, la réponse, elle est non. Le débat, il n'est pas là. Le débat se pose plutôt sur les liens, la présence, sur les opportunités d'être accompagné par un émirati que l'on connaîtra, une personne qui viendra nous introduire auprès d'une autorité. Et je crois que la question, elle est vraiment pour vous, entrepreneurs, qui voulez vous installer aux Émirats, distribuer, exporter. Ce n'est pas une question de taille de votre entreprise qui va se poser, ce sera plutôt une question de fidélisation. Comment allez-vous pénétrer le marché? Comment allez-vous rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit? Donc voilà, c'est plus une remarque qu'une question. Et oui, il y a de la place pour tout le monde aux Émirats. Faites attention à ce que vous faites, mais surtout prenez le temps de prospecter, d'y aller. Prenez le temps avant de commencer toutes sortes de projets économiques. Prenez vraiment le temps de bien organiser votre implantation, export, distribution, etc. Donc voilà, vraiment je rebondis là-dessus, c'est mon cœur de métier et je ne pense pas que l'aspect réglementaire doit être mis trop entre parenthèses parce que c'est une question qui pour moi me paraît cruciale et je me répète encore une fois, il y a de la place pour tout le monde aux Émirats. Faites attention à ce que vous faites et faites-le bien. Merci François de remarquer là-dessus. Ouais, juste une petite remarque en fait, sur la question de la taille. Je voulais réagir tout à l'heure, mais votre intervention me permet de le faire. Je suis entièrement d'accord avec vous, et néanmoins, il y a un effet de taille. Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes petit qu'il n'y a pas de marché, comme on dit, sur une niche, on arrive vraiment avec un produit ou une technologie innovante, ça va intéresser du monde. Le problème, il est donc que l'effet de taille n'est pas éliminatoire dans l'absolu. Là où l'effet de taille va se faire ressentir, et vous l'avez dit vous-même, c'est qu'on est sur des marchés, et ça a été dit aussi par mes amis, si un marché comme les Émirats, si vous n'êtes pas capable compte tenu de votre plan de charge, vos moyens budgétaires, etc., si vous n'êtes pas capable d'y venir 4 fois, 5 fois par an, tous les ans, pendant un an, pendant 2 ans, ben, avant qu'il se passe enfin quelque chose, il ne se passera rien. Donc c'est-à-dire, pour le dire plus brutalement, si on n'est pas capable de consacrer, si on n'est pas prêt à consacrer 20 à 30 000 euros par an sur ce marché à fond perdu, pendant 2 ans, peut-être 3 ans, il vaut mieux pas commencer du tout. Vous allez dépenser de l'argent pour rien. C'est ça, en fait, la barrière à l'entrée, je dirais, c'est qu'il y a ce travail. On ne travaille pas aux Émirats par échange de mails. C'est impossible. Moi, je m'arrache les cheveux. On fait beaucoup de salons aux Émirats parce que c'est un grand pays, de grands salons internationaux. Et je vois vraiment des belles PME françaises, des pépites qui viennent. Et d'ailleurs, à la fin du salon, elles sont ravies parce qu'elles ont vu plein de contacts, pas simplement du golf, hein, des Indiens passionnants. Et je les vois un an après, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, je ne comprends pas, il ne s'est rien passé, ça n'a rien donné. Mais non, comment ça se fait? Elle me dit, après, j'ai envoyé des mails à tous ces gens-là, personne ne m'a répondu. Forcément, personne ne m'a répondu, c'est pas comme ça qu'on travaille. Il fallait revenir 2 mois après, il fallait revenir et puis revoir tous ces gens-là. Mais ça, voilà, ça demande des moyens. Aux Émirats, je ne suis pas propre aux Émirats, mais il se trouve que dans la région, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille au corps à corps, non seulement au corps à corps, mais le couteau entre les dents, parce que, comme vous disiez, on n'est pas les seuls à avoir repéré qu'il y avait des choses à faire. Donc si on n'a pas les moyens, si on ne peut pas consacrer le temps et les budgets, parce qu'il y a un budget derrière tout ça, il vaut mieux pas commencer du tout, parce qu'on va dépenser de l'argent pour rien et il ne se passera rien. Ceci dit, c'est valable pour tous les pays. Ce qu'on vient de dire est absolument valable pour tous les pays, j'allais dire même pour la Suisse et la Belgique, donc ne vous y trompez pas. L'export, c'est une opération de longue haleine, avec un investissement important, et forcément, on parle de taille critique, parce qu'il faut avoir les moyens en cash et en homme pour suivre ça. Donc il y a forcément une taille critique, et on y reviendra, mais chasser en meute, ça diminue un petit peu le coût de tout ça, parce qu'on peut mutualiser un certain nombre de choses. Il y avait une autre question ici, merci. Monsieur Renaud, voilà, je travaille actuellement sur un projet en partenariat avec l'ONU, qui s'appelle Origine, et donc ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme UNDD de lutte contre la désertification. Donc ma question, c'est peut-être à François, savoir si aujourd'hui, au niveau de Dubaï, il y a une stratégie justement de lutte contre la désertification, quelles sont les entreprises qui s'investissent dans ce domaine, et savoir justement avoir des réponses sur ces questions.
Je vais commencer par répondre par une boutade. On lutte contre la désertification quand on a une forêt qui est menacée. Aujourd'hui, il y a du désert et il y a malheureusement. Alors après, il y a eu des efforts qui ont été faits plus à Abu Dhabi d'ailleurs qu'à Dubaï. Hein, quand on prend la route, il y a toute une forêt artificielle. Hein, Peut-être explication. Alors la désertification, ce sont les zones semi-arides, ce sont les zones arides, ce sont pas les grands déserts. Et aujourd'hui, l'enjeu de la désertification, c'est l'enjeu de l'eau, parce que en fait, on s'aperçoit, c'est l'enjeu de l'eau, que 40 hectares disparaissent tous les 20 minutes, 30 minutes. Alors, c'est effectivement, les raisons sont dues à la déforestation, mais pas seulement. C'est dû à la pollution des sols, et c'est dû au réchauffement climatique. Donc l'enjeu est très important dans différents pays du monde, dont les Émirats, parce qu'effectivement, le désert envahit, et donc derrière, c'est des pertes en alimentation, c'est les problèmes de l'eau qui se posent, c'est différents domaines comme la biodiversité qui sont aussi atteints. Donc il faut trouver des solutions qui vont être dans le domaine des biotechnologies, des innovations dans des domaines très précis, au niveau des nouvelles cultures, à mettre en place dans les déserts, et c'est aussi des innovations qui vont mettre en place. Voilà, c'est pour ça. Non, j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même ce que vous appelez les zones arides, il ne doit pas y en avoir beaucoup aux Émirats, on est prêts. Exclusivement déjà sur du désert. Enfin, quand on sort de Dubaï, on a un peu de zone aride, on en voit quelques arbustes, quelques arbres qui arrivent à pousser, puis très vite on se retrouve ensuite dans des dunes. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, les problématiques qu'on peut voir, d'abord il y a l'établissement d'un couvert végétal, plus sur Abu Dhabi, encore une fois c'était un vœu de Charles Zayed, donc on a une forêt, mais chaque arbre a un goutte à goutte qui passe au pied, hein, sinon ça ne tiendrait pas. Enfin, il y a la problématique de l'eau, aujourd'hui on est aux Émirats à 98, si ce n'est pas 99% d'eau désalinisée pour tout ce qui est eau douce. Donc tout ça a un coût. Et Dubaï, je vous l'ai dit, comme Dubaï n'a pas de pétrole, Dubaï est un petit peu en avance sur les autres Émirats pour se dire qu'il serait peut-être temps de commencer à améliorer son efficacité dans la gestion de l'eau, dans le recyclage de l'eau, etc. Il y a aussi des initiatives encore très modeste. Et d'ailleurs, c'est des boîtes françaises. En tout cas, j'ai le cas d'une boîte française qui a monté un projet pilote, d'ailleurs, avec le soutien de Total, pour recréer des sols agricoles. C'est-à-dire qu'en recyclant les déchets verts pour créer du compost et du coup le réintroduire dans le sable pour créer des sols qui soient exploitables à des fins agricoles. Donc voilà, il y a des petites initiatives qui se prennent un petit peu pour des raisons, je dirais, d'accroître leur indépendance alimentaire. Aujourd'hui, les Émirats importent, je dirais, 90 ou 95% de leurs besoins alimentaires. Donc voilà, ils sont en situation de tension sur l'eau et sur l'alimentation. Donc oui, il y aurait peut-être des initiatives, mais on est plus... Je ne suis pas expert du domaine, même si je suis agronome de formation. On est plus, non pas dans une lutte contre la désertification, parce qu'elle est déjà là, je dirais. On est peut-être plus, en revanche, dans la recherche de solutions pour, face à cet état de situation, trouver des moyens, malgré tout, d'améliorer le bilan hydrique ou de développer l'agriculture. Est-ce que je pourrais répondre à M. Renaud ? L'ONU, d'ailleurs, travaille avec Masdar City de façon très serrée pour tout ce qui est lutte contre la désertification, désalination de l'eau et tous les projets solaires. Merci. Alors, on est dans le retard initial, donc on a tenu les timings. C'est très bien. Merci à tous les intervenants. Merci pour cette richesse. Je vais faire une conclusion rapide. Je vais vous rappeler qu'il y a ce groupement qui est géré et généré par la métropole de Lyon et la CCI pour toutes les entreprises qui souhaitent se positionner sur les opportunités de l'Expo 2020. Alors, je vous donne 3-4 chiffres qui n'ont pas été cités, mais il y a quand même un parc de 250 pavillons de pays, 440 hectares, dont 150 hectares couverts, 150 à 200 hôtels qui vont être construits, un nouvel aéroport, un nouveau centre commercial, qui sera certainement le plus grand du monde et certainement le plus beau du monde, comme on connaît l'activisme là-bas. Et tout ça, c'est des opportunités pour les Français. On l'a dit, on l'a beaucoup répété, il y a de la place pour tout le monde, mais justement, il y a tout le monde. Donc, c'est pas facile, il faut se bagarrer. C'est vraiment pour ça qu'il ne faut pas y aller tout seul, il faut chasser en meute. Votre chambre de commerce peut vous accompagner du début à la fin sur l'ensemble de vos démarches à l'international. Depuis le primo-exportateur pour vous aider
à comprendre, à chiffrer et à développer vos fondamentaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si on est trop petit parce qu'on a beau y aller à Dubaï, quand on rentre, on n'est pas capable de s'en occuper parce qu'on remet les mains dans le fourneau et puis on n'a pas le temps de suivre, c'est pas la peine d'y aller. Tout ça, c'est des choses, soit on perd de l'argent une première fois en y allant et puis on constate ça, soit on est briefé en amont en étant venu voir la chambre et on peut participer pour un budget beaucoup plus faible à une opération qui s'appelle Go Export et qui permet de prendre tous ces dates fondamentaux, d'apprendre, de ne pas se planter. Parce que non seulement vous aurez perdu de l'argent, mais vous aurez perdu de l'image. Si vous ne répondez pas à vos premiers prospects, ils ne vous recontacteront jamais. Si vous retournez les voir, ce sera trop tard. Ils n'auront plus confiance. La première impression, vous savez comment elle est, c'est toujours la plus importante. Donc, profitez des occasions qui vous sont offertes sur les 18 mois, 24 mois qui viennent pour faire des missions collectives. Parce que la mission collective, c'est aussi la façon d'échanger avec d'autres exportateurs qui eux connaissent et qui vont pouvoir vous dire déjà tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est toujours très important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et puis qui vous donneront des tuyaux sur ce qu'il faut faire, éventuellement des noms d'agents, des noms des tas d'informations qui vous feront gagner du temps. Les missions collectives, c'est la façon de chasser en meute la plus économique et la plus productive. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de missions qui sont organisées, que ce soit par la métropole, par la CCI. La CCI vous indiquera tout ça. La CCI, c'est votre porte d'entrée, elle vous donnera toutes ces informations. Je l'ai dit en deux mots, l'export, c'est une mission long terme, et ce n'est pas parce que le pays est petit que la durée du projet est plus courte. L'export, c'est une mission long terme. N'allez pas plus aux Émirats qu'en Chine ou qu'au Brésil si vous n'y êtes pas prêt et si vous n'êtes pas prêt à engager de l'argent, du temps, des hommes sur plusieurs années. Donc les Émirats, oui, mais préparez-vous à ça, c'est extrêmement important. Donc encore une fois, les acteurs, vous avez pu le constater, on parle d'une seule voix. Les acteurs vont ensemble, les acteurs institutionnels vont ensemble. Faites-vous porter par ce mouvement. C'est vrai sur Dubaï, c'est particulièrement vrai sur Dubaï. Donc bon courage et bonne chance à tous. Merci de votre attention et vous êtes attendus dans le Salon Lumière pour le cocktail de midi 30. Voilà, merci. Je vais